Et on est parti pour un nouvel épisode de XCOM. Pour tout vous dire, en fait, j'ai essayé d'enregistrer déjà un épisode. Enfin, j'ai déjà essayé d'enregistrer cet épisode, en fait. Mais en gros, j'ai lancé une mission et j'ai crash dans la mission. Et du coup, après, j'ai essayé de relancer deux fois la sauvegarde dans la mission, sauf que ça, à chaque fois, ça crashait. Donc, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai réessayé sans enregistrer. De relancer la mission, et en fait c'est pas la même génération, genre il n'y a pas forcément les mêmes ennemis. Par exemple, la première fois il y avait des ombres, et la deuxième fois il n'y avait pas d'ombres, et ça a pas bugué cette fois, en tout cas ça a pas bugué au même moment. J'ai pas fini non plus la mission, donc je me suis dit on va retenter une troisième fois, hein, comme on dit, jamais 203. Non, c'est pas ce que je voulais faire, jamais 203. Donc en gros, la mission va spawn bientôt. Parce qu'en gros, il faut juste laisser passer un peu le temps. Voilà, c'est ça. Afrique de l'Est, opération Piquefer. Pirater l'ordinateur de la résistance. C'est une mission difficile ou très difficile, je crois. En sachant qu'il y a des exploits de mock. Alors c'est la première fois, ça crash quand ils sont arrivés. Donc, je sais pas si c'est lié à ce mode en particulier. Mais la deuxième fois, ils étaient là aussi et ça a pas crash. Donc, bon, c'est peut-être pas que lié à ça, quoi. Mais on va lancer ça et puis en espérant que ça marche, quoi. En espérant que ça marche. En escouade, normalement, c'est les bons mecs de sélectionner de base. En gros, on a les deux Spark et deux recrues et deux mecs. Deux mecs expérimentés. On a un major et un second classe, quoi. Bon, second classe, c'est pas ouf, hein, mais... Le major est pas mal, il est assez fort. Juste, ce que je veux faire, c'est changer... je veux changer les armes des Spark. En sachant aussi que dans la zone, je me le suis spoilé, parce que je suis pas censé le savoir de base, mais il y a l'élu aussi. Donc, il y a du beau monde, quoi. Il y a du beau monde. L'élu plus les mocs, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ok. On a quoi autrement? On a un gremlin. Infiltration, c'est quoi? Ah non, c'est ok, c'est pour réduire l'infiltration. Pas mieux à prendre que ça. Un lance-grenade. On lui met un petit lance-grenade dans la poche. Et lui, on va lui laisser le sniper. Je pense j'en laisse un au sniper quand même, parce que en fait, le sniper a vraiment un potentiel de gros dégâts qui est assez cool. Mais c'est vrai que genre faut équilibrer, quoi. Faut pas qu'il y ait que ça. Lui, on lui met fusil d'assaut. À moins que je lui mette le canon, il a plus de dégâts en vrai. Infiltration. Il a moins de mobilité, par contre, ça c'est un peu chiant. Après, en vrai, s'il a le canoncier, peut-être pas nécessaire de lui mettre un canon, quoi. Si tu veux, avec le canoncier, on l'envoie au clac et c'est bon, quoi. On lui met la clé mort. On va garder la grenade flash et une grenade à fragmentation. Les recrues, ça prend... ça prend de la greue. Ça prend de la clé mort aussi. Peut-être prendre un fusil à pompe pour qu'ils aient plus de dégâts. Parce que c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de dégâts, ces persos. Touch. Peut-être prendre une grenade fumigène au cas où. Ça peut être utile. Le gremlin. Le bullpop. Voilà. Et lui, on va lui remettre une grenade à fragmentation. La clé mort. C'est quand même des dégâts considérables. Et est-ce que je mets les deux au fusil à pompe? Ça fait quand même moins de portée, mais...
Mais je pense que c'est bien quand même. Ok, lançons. Donc ouais, mission très difficile. Honnêtement. Honnêtement, je sais même pas si c'est la meilleure idée de la faire, quoi, mais bon. Vu que je l'ai lancée la première fois, si on peut la faire, ce serait quand même mieux, quoi. Après, honnêtement, si ça rebug, bon, déjà, il y a peu de chances que vous voyez la vidéo, du coup. Mais si ça rebug, je la skipperai sûrement. Et je réexpliquerai tout ça. Mais ça va pas bugger, n'est-ce pas? J'espère. Je sais pas. C'était peut-être parce qu'il y avait les ombres en plus, et du coup, ça faisait beaucoup d'unités affichées dans la map, je sais pas. De générer dans la map. Parce qu'en vrai, t'avais les ombres, t'avais les chrysalides. T'avais les mocs, t'avais l'élu, et t'avais les soldats classiques. Ça fait quand même 5 entités, on va dire, qui sont pas liées entre elles, on va dire. Parce qu'il me semble que les chrysalides a tapé aussi les soldats d'Advent. Donc ouais, c'est un joyeux bordel, quoi. Après, moi, j'aime bien, mais bon... Mais bon, je crois que mon ordi, il aime moins, quoi. Il supporte pas. Il supporte pas trop. Il supporte pas trop. Et en vrai, heureusement qu'il y a des mods quand même. Hein. Sans les mods, les jeux seraient... Bon, après, il y a des... Enfin, il y a des jeux qui sont très bien. Même XCOM, en vrai, c'est très bien sans les mods. Mais c'est vrai, tu rajoutes les mods, ça te rend le jeu... Genre, ça te le transforme en un jeu encore mieux que ce que c'est de base, quoi. C'est assez incroyable. Bon, comme d'hab, hein, chargement un peu long. Mais c'est normal. C'est normal. Après, ce qui est bien, c'est on charge. Certes, on met 2-3 minutes à charger. Mais on reste en mission une heure. Donc en vrai, ça va. Apparemment, elle aurait trouvé quelque chose d'essentiel à la dernière opération extraterrestre. Malheureusement, elle n'a pu extraire qu'un fragment des données avant sa mort. Nous allons sécuriser la zone, éliminer les forces ennemies à proximité et pirater ce terminal avant qu'ils ne le verrouillent. Il nous faut ces données si nous voulons arrêter leur progression. Oh putain, on est en sous-sol. Oh, c'est horrible, j'aime pas. Menace 1-5. La map change aussi. Le point d'accès que nous cherchons est droit devant. Oh. Vous devez sécuriser la zone, mais l'ennemi va résister. Eh, c'est pas la même mission que celle qu'on m'a proposée les deux premières fois. Enfin, que celle que j'ai eue les deux premières fois. Les deux premières fois, en fait, c'était un train qu'il fallait... Il fallait pirater. Enfin, fallait pirater un ordi dans un train, quoi. Faut vraiment que je fasse gaffe à comment j'avance parce que de ce que j'ai vu, genre tu vas avancer genre 3-4 fois et après tu vas tomber sur des mobs, mais quand tu vas tomber sur des mobs, genre tu vas vraiment tomber sur des mobs, quoi. Ça va pas être genre une petite troupe par-ci, quoi. Il va y avoir tout le bordel qui va se rameuter vraiment très rapidement. Du coup, en fait, faut vraiment avancer avec précaution, en sachant que lui, du coup. Quand il fait deux actions de mouvement dans le tour, il se met automatiquement en vigilance à la fin du tour. Mais il le fait vraiment qu'à la fin du tour. Et du coup, en fait, s'il se fait repérer par des ennemis, bah, il va pas avoir le temps d'être en vigilance. Et ça, c'est dommage. Je cours. Pas d'autres... ouais, ici. Ici, peut-être aussi. On n'a pas envie de trop les écarter, mais en même temps, faut qu'ils soient écartés quand même. Ça veut rien dire, du coup. Le truc, c'est que... Ouais. Mais merde, pourquoi j'arrive pas à cliquer? Le
Le truc, c'est que les Sparks, j'ai peur qu'ils soient trop visibles. J'ai pas envie de les faire trop avancer non plus, tu vois. Parce que là, si j'avance trop et que je me fais voir avec le Spark, c'est vraiment la merde. Vado in posizione. Coupure du réseau dans 13. Dans 13, en vrai, c'est beaucoup, hein. Du coup, ça se peut qu'il y ait... Il y a moyen qu'il y ait pas mal de monde quand même. Hein. Il a vu personne. Du coup, ce qu'on peut faire, envoyer lui ici. J'avance. Ah. Paypon cuirassé. Je sais pas ce que c'est. Mais on voit déjà un groupe. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont pas vus. Donc on peut tranquillement. Enfin, tranquillement. On peut se mettre en position avant d'engager. Peut-être le mettre là. Et lui, le problème, c'est que lui, je sais pas où je le mets, quoi. Alors je le mets genre là. Mais ça fait qu'ils sont côte à côte. Ou alors je le mets là. Mais là, il y a un risque. Il y a un risque qu'il y ait des unités par là, en fait. Du coup, peut-être que je dois avancer plutôt par ici. Sinon, je le laisse là, en vrai. C'est vraiment pas terrible, quand même. Sinon, je le mets là. Comme ça, au prochain tour, je peux le faire aller par là. On casse là, il casse la vide, quand même. C'est où Ouais, c'est ça a une salle de là, quand même. Mais là, on a déjà des unités sur lesquelles engager. Ou alors, faudrait que je la rapproche d'ici, en fait. Ça aurait peut-être été mieux. Là, c'est vrai que je l'éloigne alors que lui, il est au fusil à pompe. C'est pas l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un Spark genre vers ici, je pense. On va le mettre en vigilance. Et lui, on va lui faire avancer jusque là, je pense. Ok, ils avancent sur nous. Ils vont nous voir, non? Non? Oh, les aveugles. Oh, les aveugles. Oh, les aveugles. 89. Hein, c'est une belle bête, quand même, qu'on a là. Hein. 89. 77. Hein, ça a l'air bien relou à tuer, en tout cas. Alors, les Sectoïdes, ils craignent les attaques au corps à corps. En sachant que mes Sparks sont bons au corps à corps, ça peut être une idée. On pourrait peut-être engager avec une grenade, en vrai. Hein. Une petite grenade dans leur gueule, là. Voilà, Clément. Est-ce que si je balance une Clément, genre, ils sont... on est spotted. Si c'est le cas, c'est chiant. Non, reste dissimulé. Donc, normalement, non. Après, c'est faucheur. Hein. Lui, c'est pas un faucheur, quoi. Parce qu'en vrai, il a une petite... petite clé mort. Bam, ça part direct, non? Après, est-ce que je veux pas me mettre en... en vigilance? Lui, il voit rien. Lui, il voit. Il voit, mais c'est pas terrible. En vrai, je pense que les deux Sparks, on va pas les mettre en vigilance parce que... on peut leur faire faire une attaque corps à corps si nécessaire. Lui, on va pas le mettre en vigilance parce qu'il peut avoir un tir... il peut avoir deux tirs, en fait, avant de mettre fin à son tour. Et du coup, autant en profiter. Donc lui, on peut le mettre en vigilance, je pense. J'attaque à vue. Et lui, il va juste déclencher ça. Attends, et l'autre, il fait quoi? L'autre, je pense qu'on le déplacera. On le déplacera et puis on essaiera de terminer aussi. Donc on va déclencher avec lui. Avec lui. Hop. Hop. Allez, c'est parti. Position de l'escouade exposée.
C'était quoi Ah oui, d'accord. Il en a rien à foutre. Ah, il en a rien à foutre. Par contre, l'autre, il est en vigilance, il voit rien, là. Bon, la question que je me pose, déjà... Attends, déjà, est-ce que je peux pas faire ça? Un 53%, quoi. Après, avec chance de crit, franchement, si on touche, on est les rois du monde, mais bon. On sait très bien que 53% de chance, ça va jamais toucher, quoi. Non, ce qu'on veut voir, c'est frappe. Ah, une frappe, ça one-shot. Oh, bah, let's go. Oh, bah, qu'est-ce qu'on attend, en fait? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'on attend pour lui mettre un gros coup dans la gueule? Oh, il a esquivé! Bâtard. 89. Est-ce qu'on ferait pas un petit overdrive? Autant profiter de nos... Après, c'est 5 tours quand même de recharge. Il peut faire quoi? 80. Et ça, toi? Nice, le crit. Le crit fait plaisir. Ok, maintenant, il a plus personne en visu. Ouais, à la limite, balancer une clé mort pour en finir un autre. Et l'idéal, ce serait... En fait, c'est que lui, il est loin, quoi. Lui, il est bien loin. Est-ce qu'on peut aller chercher quelqu'un, en fait? On peut aller chercher lui, on peut aller chercher l'autre aussi. On peut aller chercher, mais la précision est douteuse. Enfin, douteuse. C'est pas non plus une catastrophe, mais... Je vais là et je lui mets un coup dans la gueule, quoi. En termes de précision, ça devrait le faire quand même. Voilà, 100%. Pas d'embrouille. Voilà, cible éliminée. C'est ça qu'on aime entendre. Et lui, bah lui, à la limite. Ouais, à la limite, je peux juste avancer avec lui et le tuer, non? Le seul truc qui me fait peur, c'est si jamais il y a d'autres unités pas loin, bah on est à découvert, quoi. Et ça, c'est assez gênant. Parce que sinon, ce que je peux faire, c'est utiliser une clé mort ou une grenade et faire ça, quoi. C'est peut-être plus safe. Après, tu me diras, double down, il est exposé aussi, quoi. C'est ça le problème. S'il loupe pas. Non, en vrai, au pire, j'aurais pu tuer à la grenade avec lui. Genre, la grenade a fait 3-4 dégâts, donc ça aurait tué. On va se mettre en vigilance avec lui, tout simplement. Ok. Donc ça c'est l'unité moche qui a appelé en renfort. Ensuite, il y a lui aussi. D'ailleurs, j'ai oublié de faire la manie pour le son. Du coup, il y a moyen que ce soit trop fort, là. Votre mort vous attend. Je vais faire ça juste après. Le sorcier. Ce qui est bien, en vrai, c'est que j'ai pu voir un peu les sorts du sorcier, parce que j'avoue que je ne me souviens plus du tout. Oh, la vache. Continuez d'avancer discrètement. Nous devons atteindre leur forteresse. Discrètement, ouais. Ouais, bah là, on est discret, quoi. Je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus, hein. Vraiment aucun problème. Ok. Je fais pas de... Je fais rien là. Je vais lui mettre un petit coup dans sa gueule à lui, mais le problème c'est qu'il y en a un autre derrière, quoi, un lancier. Ça, c'est chiant. On va se mettre là. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux en sachant qu'on a les mocs qui apparaissent ici. On a le sorcier ici.
C'est un peu une position vénère. Là, on est bien en place avec les autres. On n'a peut-être pas envie non plus de prendre J. Trop de risques. Lui, on peut peut-être le mettre là. C'est une cover pas trop mauvaise. Ah merde, il est en vigilance. Oh. Ça commence. Ces serviteurs sont parfois efficaces. Tout comme vous, commandant. Ah, le mec est fort, il a quand même réussi à me viser alors que nous on le voit pas du tout quoi. Petite différence de portée. Est-ce que si je fais ça, ça pète son abri en vrai? La question que je me pose. Baissez la tête. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Le problème, c'est si je me mets là, il y a un médecin là aussi, quoi. Ça te casse les couilles. Faut pas que je m'avance trop, je pense. Hein. C'est chiant. Et avec lui, on a quoi? On a 68%. Lui, limite, faudrait peut-être que je le mette en vigilance. Ou alors on tire des... Non, mais ça, faudrait peut-être que je le garde pour... je sais pas. Sinon, ouais, je le tue comme ça. Hein. En vrai. Ah, mais le problème, c'est que là... Quand je fais ça quoi. En mode bat les couilles. Ouais, après je vais être obligé de recharger au prochain tour. Non. Ça a pas touché. Bah tout se passe bien. Tout se passe bien. Écoutez. Putain, vas-y. Il va crever ce con. Moi je te le dis, il va crever. Hein. Au bout d'un moment, il va finir par crever. Hein. Ça va peut-être prendre du temps, mais il va crever. En route vers la cible. Ouais, je peux pas. C'est le seul angle que j'ai, quoi. Et ça touche pas, quoi. Hein. Recherche de cible. Nessun problema. Est-ce qu'avec elle, on peut balancer une grenade ici? C'est ça qui est la merde dans cette zone, c'est que là, les grenades, elles sont... Elles sont difficiles, quoi. On va pas se mentir. Je peux faire ça, mais c'est de la merde, quoi. C'est de la merde. Ah, comment il me met en échec avec une putain de position, quoi. Ça dégoûte. Ah, vas-y, je les vois pas, les mecs. Putain. Ah, c'est chiant. C'est chiant parce qu'en fait, eux, ils sont dans le fog. J'ai aucun moyen de les prévoir ce qu'ils font, quoi. J'ai potentiellement déjà deux recrues mortes, quoi. Ah, ça s'est pas mal passé, du coup. Bon, et là, c'est la merde. Ça, c'est les mocs. Ça a pas bugué.
Et le shield. Mais wesh, il tire à travers le mur et il me touche. Sentez-vous qu'il souffre, commandant. Sentez-vous. Oh, 6 dégâts. Pas mal ça. C'est quoi? Il soigne du coup? Pas de PV soigné, ok. Ah ouais, ils sont. Oh putain. Ah non, mais là, c'est la merde là. Là, c'est la merde là. Il y a encore un. Les zombies de ces morts. Les zombies ils explosent, je crois, quand tu les tues. Super. Ouais. Le problème c'est qu'ils sont en vigilance les autres, non? Non. Le jugement des anciens est proche. Bon, c'est la merde. C'est la merde. On a genre au moins 8 unités à gérer adverses. Et nous on est 6. Ah oui, sans compter les putains de zombies de ces morts en plus. Peut-être faudrait que je recule, je pense, idéalement. Le problème en fait c'est si je recule je perds Ils sont pas en vigilance normalement. Ouais, les pourcentages de précision est immonde quoi. Si je fais ça, ça va toucher mon Spark. Mettre en overdrive, mais ça me sert à pas grand chose en fait. En approche. Je vais recharger. Là, idéalement, faut que je bute lui avec lui justement. Après, en vrai, si je mets une clé mort là, j'y mets la clé mort. Ah, ça touche les deux la clé mort ici. Normalement. Est-ce qu'avec lui, on a une visu sur autre chose? Non, pas ça. C'est du 41% à 45%. C'est vraiment pas assez, hein. Lui, il a une clé mort aussi. En vrai, est-ce qu'il n'y a pas moyen de clémorer la gueule d'un mec? Faudrait que je tue au moins une ou deux unités sur ce tour, quoi. Je sais pas où elle est passée. Ouais, mais c'est pas la bonne celle-là. Tu l'as dit. Ouais, non, en vrai, lui, il peut faire ça, du coup, c'est bien. Lui, il peut faire autre chose. Mais qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Bonne question. Ok, moins un soldat. C'est déjà ça. Maintenant, le problème, c'est que lui, faut qu'il s'éloigne. Et il peut pas bouger. Merde! Je pensais qu'il pouvait... Ah, putain, il peut faire une autre action, mais c'est pas... Mais pas bouger. Et il peut pas tirer non plus. Putain, merde! Bon, bah, il va se prendre l'explosion, hein, écoute. Un point de dégâts. J'ai envie de te dire, c'est pas non plus une catastrophe, quoi, mais c'est pas non plus dingue.
Maintenant là, maintenant c'est la merde. On ne serait pas une petite grenade flash. Le problème de la grenade flash, c'est qu'en vrai, là, je touche que deux unités alors qu'il y en a au moins. Je pense qu'on pourrait en toucher quatre facile, quoi. Sinon, en vrai, je peux. Je peux peut-être faire ça. Je peux peut-être faire ça, genre. Fuoco di soppressione. Même c'est que j'ai plus de balles, quoi. Ça coûte 2 balles de faire ça, il m'en reste plus qu'une. Alors, du coup, on a plus que 2 à jouer. Bon, ici, il y a 2 unités encore. Ça, c'est la merde. S'il tape à travers lui, il est mort. Ça, c'est embêtant. D'ailleurs, moi, je pourrais peut-être faire ça, sinon pour augmenter sa défense. Ça, ça fait chier, en vrai, d'investir là-dessus, quoi. Bon, je balance une fumée, hein, mais bon. Là, c'est pareil, la fumée, là, elle est pas non plus dingue, hein. Ou alors, fumée ici, tu vois. Et du coup, je nique ma suppression. Puis en plus, il y en a qu'un qui est englobé, quoi. Donc c'est encore pas non plus une dinguerie. Non, je me mets en vigilance, mais je vois moyennement l'intérêt. En fait, lui, faudrait qu'il bouge, mais le problème, c'est que je vois pas où je le mets. Ah, ou alors, je le recule encore, mais il va être loin, quoi. Ou alors, je le rapproche, mais pas sûr que ce soit bien non plus, quoi. Ah, ici, en vrai, c'est relativement correct. Du coup, je peux avoir une visu sur eux. Je sais pas en vrai, est-ce que je mets ça sur lui? Il pourrait se faire taper par ceux qui sont là, quoi. Après, le truc, c'est qu'en vrai, ils ont l'embarras du choix pour les cibles. Quoi. Ils peuvent aussi taper sur lui. Lui, c'est peut-être celui qui est le plus exposé avec le robot, quoi. Bon, avec lui, qu'est-ce qu'on fait? De grenades à frag et on peut taper personne, quoi. Chiant, c'est qu'il est bon, je me mets des fumigènes, quoi, ici. J'aurais dû le faire avant, du coup, mais bon, on est d'accord que tiens. Ça se voit juste pas, en fait, qu'on est dans les fumigènes, là. Capteur sur portée maximale. Nous mettrons position défensive, il a fait. Oh non. Oh yes, il a raté. Oh non, l'autre, il va tirer encore. Brûle. Oh yes, il a raté. Nice. La menace augmente. Go and patch them up. Wesh. Ah, c'est. Ah putain, c'est les. Ça, c'est les mocs. What? Ils ont des drones de soins. Ah, c'est en l'enfer. Et en plus, il peut. Ah oui, il peut faire ça et tirer. C'est fumé. À l'aide. Oh, les dégâts. M'enlever ma vigilance. La décision est prise. Oh, les S, il a loupé. Les mods, c'est l'enfer. Hein. Après, les mods, de ce que j'ai vu, c'est qu'on peut les transporter pour en faire nos soldats, quoi. Mais bon, le problème, c'est qu'on n'aura pas vraiment le temps, a priori. Il a fait quoi, les... Arme désactivée.
Comment ça, me désactiver? Ah, j'avais rechargé, il m'a enculé mon truc là. Séquence de rechargement. On a quoi, 75? Putain, mais ça fait pas de dégâts en plus. Tellement de vie en même temps. Je crois que je me suis pas bien préparé quand même. Pour le late game, comme on dit. Lui, il est dans la merde aussi, quoi, ça le problème. Et je peux difficilement avancer, quoi. Ils sont trop loin. Hein. Ah lui, je pourrais le mettre là, quoi. Ça vaut même le coup de le taper en sachant qu'il a full soin. Sinon je fais un shield bash, quoi. C'est pas une bonne idée, mais... C'est quoi, stay down? Knockout to stand in, c'est-à-dire... Avec lui, tu vois, j'ai vraiment envie de faire ça, quoi. Mais ça passe à 70 là. Faut faire ça sur lui, mais bon. Sur lui. Ah non, sur lui, c'est pas une bonne idée. Sur lui, on sera vraiment. C'est dire adieu à notre unité, quoi. J'ai 81% de chance de le toucher, lui. Cinq dégâts. Oh là là. 5 dégâts en crit, frère. À l'aide. Avec lui, on peut le mettre là. Ah putain, on n'a pas la visu. Ah si. C'est 71%, quoi. Putain. Après, si on ratait pas des 71% tous les jours, quoi, ça serait bien, quoi. C'est quand même le... 71%, c'est quand même censé être élevé, quoi. Mais bon, dans XCOM, ça l'est pas trop, quoi. Je peux balancer une grenade sur mon unit, si je veux. C'est le seul que je peux toucher, en plus. Ouais, il y a un monde où lui, on peut le grenade, quoi. Mais est-ce que c'est rentable? Peut-être à 5 dégâts. Le truc, c'est que ça met fin au 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, ouais, ça le tue, quoi. C'est que lui, il est exposé, non? Après, il reste dans les fumées, tu me diras. C'est pas non plus trop mal, quoi. Si ça le tue, en vrai, c'est pas si mal. Ah, oh, ça fait que 4. Faut espérer qu'il brûle à 2, quoi.
Ou alors je fais ça, hein. Ah non, mais ça c'est une flash. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de flash dans cette zone, quoi? En vrai, comme ça, je flash quasiment tous les mocs. Et ça, c'est pas mal, je pense. Ça m'affiche que deux désorientés, mais normalement, il y en a plus, quoi. Lui, j'ai envie de le rapprocher pour qu'il joue, mais après, il y a un coup, il est mort, quoi. Un coup, il est mort, mais bon... D'un autre côté, on est dans la fumigène, ici. Peut-être que ça vaut le coup de le mettre là et de tenter de tuer le sectoïde, non? De toute façon, ouais, il faut que je prenne des risques, hein, je pense. On a deux unités qui sont déjà sur le point de mourir, les deux recrues. Sinon, je le fais à la grenade. Hein. Au moins, on est sûr que les 70%, ils passent à 100%, quoi. Après, c'est casse-couille, hein, mais bon. La faiblesse, c'est minable, ne fait qu'accentuer le besoin de ma présence. Raté. La pitié des anciens inonde les impies. Les impies. Ah, il le reçoit, putain. Frère, il a à chaque tour son soin, c'est cheaté. Soigne 4 PV. Non mais frère, ils ont pas dosé là. C'est raté. Il est pas désorienté lui. Vous pensiez vous cacher encore longtemps. Il a fait quoi l'élu? Il a rien fait. Quoi? Y a personne qui a tiré sur mon Spark. C'est quand même assez étonnant, quoi. 64. Non mais 50% de chance, frère. Au corps à corps, 50% de chance. À l'aide. On a qui, là? Ils sont trop loin, eux. Le soldat avancé. Y a pas un autre soldat, ici, normalement? Sinon, je peux stay down. Je peux le knockout. Allez, hop, ça dégage. Voilà, mets-lui tous les heals du monde. Là, il se relèvera pas, mon pote. Position de défense adoptée. En vrai, j'aurais pas dû lui mettre le snipe ou mettre au shield, en vrai. C'était la pire connerie. Mais en vrai, j'ai envie de faire ça, mais le truc, c'est qu'il y en a qui sont en vigilance. Pas à 100% sur leur gueule, mais le problème, c'est que on se tape la vigilance de lui. Après, il est désorienté, mais est-ce que ça change quelque chose? Non. Oh non, j'ai fait de la merde. Ah merde. Bah là, c'est fou. C'est foutu pour le Spark, là. Putain, mais 37% de chance de le toucher. Le mec, il est en plein découvert. Ça dégoûte. 37% de chance de le toucher, quoi. Il louche, mes soldats, quoi. Il louche. Il est dans la smoke. Il est même pas dans la smoke en plus, putain. Si je le mets là... Ah non, mais c'est dangereux, non. J'ai envie de tenter ici, mais c'est celui qui a plus de vie, ça. Est-ce que j'avancerai pas ici, en vrai? Après, ou ici? Mais j'ai même pas de bon angle, ici. Hein. Faudrait que j'aille là, sinon. Sinon, je mets lui ici. Et lui, il aura pas de visu non plus, quoi. On a quoi? On a un soldat d'Advent ici. Ouais, pour la... Mais lui, il est pas mort, lui. Il est censé se relever à un moment. Putain. Lui, il peut pas aller jusque-là. Il a pas assez de déplacement non plus. À moins que je fasse... rush. Focus.
Mais ça réduit mes mouvements, ça. C'est de la merde. Envie de me mettre là, mais ça me paraît être une idée de merde en fait. Même si c'est une full cover en fait, 1, 2, 3, 4. Après, eux, ils devraient tirer sur lui logiquement, mais bon. Ah, c'est même pas lui qui est en... Enfin, c'est une dinguerie, par contre, ça. ...82% de chance sur lui, 81. On va tenter le kill sur lui, je pense. Ah, putain. Ah, c'est dur. Petite grenade, sinon. Ah, ça va même pas le finir. Ah, quoi que lui, je peux le finir, par contre. Alors le problème là, c'est que je vais grenade mon pote aussi. Et ça, c'est un peu moins sympa. Si je me mets là, je peux pas lui grenade sa gueule sans grenade mon pote. En vrai, ici, c'est safe. Le problème, c'est que c'est safe, mais je vais me prendre un tir, quoi. Et du coup, il va crever. Et on veut pas. Ouais. Ou alors, je le mets là, en vrai. Peut-être ici, c'est, ça le fait. Dis-moi que ça passe. Comme ça, je touche que lui, en vrai. Normalement. Ok. Ok, c'est bon, ça a touché que lui. Putain, faudrait que je clé mort leur gueule à eux, là. Genre là, il y avait une clé mort qui partait assez sympa, mais bon. Après, ils vont... Si je mets une clé mort maintenant, ils risquent de bouger, donc... On va juste se mettre en vigilance. Les orientations annulées. Oh mais il va crever lui. Oh let's go, il est mort lui. Oh ça c'est cool. Moins un. Non le Spark. Oh c'est raté. Allez ratez tous vos tirs là. Mais ils sont combien frère? Oh non le Spark. Pas toi. Pas toi le robot. Il va où? D'accord. Je recharge. Wesh, what? Un buggy? Zombie, oh vas-y. Alors lui, il fait... Il fait bien chier avec ses zombies quand même. Surtout que là, j'ai plus de Clément. Immunisé aux brûlures. Ils ont v'là les déplacements en plus, ces enfoirés. Hein. Bon. Il a l'air d'y avoir d'ennemis en vigilance. Il faut qu'il bouge. La question c'est je le fais bouger où? Pas trop de... Ou alors ici. Ouais, ici c'est ok. On a un 100% ici, 93 sur lui, 74 sur elle. Elle faudrait la buter, ça nous ferait du bien. Je pense qu'on va quand même buter lui vu qu'on est à 100%. C'est quoi ça? Ah oui, c'est pour quitter la... Quitter la stance.
Bon, le problème, en fait, c'est que lui et lui sont un peu à perpète, quoi. Est-ce qu'on peut pas faire ça sur une unité? Elle, on peut la knock out en vrai. On ferait pas ça. Le problème, en fait, c'est que lui, il va se faire arracher derrière, quoi. Mais en même temps... En vrai, je pourrais lui fumigène la gueule. Comme ça, on bute au moins celle-là. Ça fait une de moins. Une de perdue, 10 de retrouvée. J'ai oublié d'accélérer, en fait, les fights. Du coup, c'est elle qui a la fumée, normalement. Grenade fumigène, ouais. En vrai, lui, je peux lui fumigène la gueule, comme ça... Comme ça, il est safe, à peu près. On va recharger, on va balancer une fumée. Voilà. Ensuite, lui, il a 85. Lui, faut qu'il avance aussi. Hein. Genre, on peut le mettre ici, peut-être. Ça peut être intéressant. Idéalement, faudrait buter. Enfin, faudrait s'occuper d'eux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Attends, on va d'abord recharger, non? Ok, nickel. Je peux faire ça. Ah non, 55%. Quand on peut suppression, quoi. Ça c'est embêtant par contre. Ça c'est embêtant, tu vois. Evac. Ah, oh, s'il se casse en vrai, ça va être plaisir. Oh putain, ils viennent. On n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de ça. Raté. Putain, mais j'ai quand même pris un. Pression annulée, sérieusement. Sabotage weapon. Qui a son arme sabotée? On sait pas. Ouais, shield bash, mais en vrai... ça vaut le coup de shield bash, quoi. Si je fais ça, je sors de la smoke, quoi. Ça qui est chiant. En vrai, je pourrais juste faire ça. Hein. Le problème, c'est que ouais, ici, ils sont paquets quand même. On vise pas le lancier plutôt. En vrai, eux, s'ils ont demandé les vagues, ça veut dire qu'ils veulent se barrer, quoi. Ou alors. Ou alors c'est juste pour... Je sais pas si c'est juste pour... Pour leurs soldats à terre, mais je pense pas. Je crois que c'est... qu'ils veulent juste se barrer. Ça c'est un peu overkill de faire ça quand même.
la place de balancer une clé mort. Putain, j'ai pas la portée. Quelqu'un des grenades? Est-ce que quelqu'un a encore des grenades? Elle a une grenade. Ah mais il est trop loin. Ah oh, ça passe. Get ready for a surprise. Oh ça a pas tué. Sérieusement, la chatte. Oh la chatte. J'ai risqué en vrai de le mettre là lui. Le mettre là à la limite, mais bon. C'est qu'en 1v1 il gagne pas quoi. En 1v1 contre lui on gagne pas. On gagne vraiment pas quoi. Ou alors je tente le bout portant. Je fasse gaffe. En vrai, je reste là, hein, sinon. Rechargement. Personne ne passera. Combattons pour la gloire. Allez, dis-moi qui se casse. Nice, ça c'est cool. Ça c'est relou par contre. Qu'est-ce qu'il fait? Oh waouh! Attends, il a équipé! Oh, ça fait peur! Oh nice, il a raté. Non. Non! Vas-y, ça touche! Oh les chiens! Du point d'accès vulnérable confirmé. Elle est confirmée. Ouais. Je comprends pas pourquoi ils essayent pas de taper sur mon Spark là. Alors qu'il est vraiment au milieu depuis tout à l'heure. Résistance terrienne revient sur le champ de bataille après avoir bien servi mes maîtres pendant des années. Allez, montrez-moi pourquoi les anciens vous apprécient autant. C'est le sorcier des anciens. D'après nos rapports, il serait presque aussi dangereux qu'eux en matière de capacité psionique. Attends. Mes maîtres insistent. Appréciez ces instants fugaces. Venez. Votre destin est de mourir. Marche au sol. Et où le mec qui a équipé le Guardian? C'est lui? Lui il a demandé les vagues, donc en vrai ça sert à rien de le taper. C'est lui là qui a demandé les vagues. Donc c'est lui qu'il faut que je bute en vrai. Il y a lui, il y a... Oh, je le fume avec ça? Ça passe au travers de l'armure? Let's go. Et ça c'est fait. Bon, maintenant. Maintenant, juste va chill bash l'élu. Va chill bash l'élu, hein. Ah merde, lui je l'avais pas vu lui. Bam. Ouais, un dégât. Pas mal. Pour soutenir un effort inutile.
Ouais, le problème... Je sais pas, faut que j'avance, mais où? On va me mettre là, peut-être. Non mais en vrai, lui, il peut pas taper normalement, il se barre, on est d'accord. Par contre, il a une vigilance. Il est en vigilance. Donc en fait, faut pas que je bouge avec lui. Sinon, je meurs. Stay frosty. Mi tengo pronto. Capacité annulée. Là, normalement, il se barre. Aïe. Absorption du blindage au maximum. Ok. No screen. Un PV volé. Mais barre-toi en fait. Il a demandé l'évac. Bon, ça va, il a loupé de toute façon, mais... Nice, heureusement qu'il loupe ça. Ok, c'est bon, ils sont barrés. Ah mais ils sont tous barrés. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que je gère les restants, là. Après, je dis ça, mais en vrai... Ouais, je lui fais pas de dégâts, lui, quoi. 50%. Ah, vas-y, canard-toi la gueule, là. Il est parti, il est où, l'autre? Ouais, juste que je pirate en vrai, histoire de pas échouer la mission, ce serait dommage. Commotionné. Oh, les 10 dégâts, pas mal. Pas mal en vrai, 10 dégâts. Vas-y, faut que j'avance. On brûle pas ici, non. La question c'est est-ce que je me mets en vigilance ou pas? Je pense pas. On va le mettre là. Lui on va le mettre en vigilance. Et lui on va... Ouais, qu'il soit dans la smoke en fait. Ici il est pas dans la smoke, c'est ça qui est chiant. Je le mets là quoi, mais le problème c'est qu'en faisant ça il avance pas quoi, ou alors je l'amène juste ici. Si je me mets là j'ai peur de recevoir une potentielle grenade vu qu'ils sont tous les deux côte à côte. Ouais, sinon lui je lui suppressionne sa mère hein. Pénalité de visée. Comme ça il me casse pas les couilles. Non lui il fait chier par contre. Oh non pas la grenade. Ok en vrai ça va. Qu'est-ce qu'il fait? Sonner 6. Ah non, il va me le capturer. Il va me le capturer. Oh non, elle est brûlée. Est blessé. Il se retrouve vulnérable aux attaques de l'élu. Remettez-le sur pied au plus vite. Ok. Vas-y, je fais ça avec lui. Par contre, je suis dans la merde. Mets-lui une grosse frappe dans sa daronne à lui. Attends, non, d'abord on fait ça. It is clear. You're gonna be fine. Ah, lui, on le laisse pas tomber, hein, mon pote. C'est mort, hein. C'est mort de chez mort. Je me demandais si vous tenteriez de sauver votre allié.
Attends, tiens, faudrait que je le bute, lui. Faudrait que je le bute. Sinon, ouais, je vais faire ça sur lui, hein, comme ça. Ah, putain, ça le tue même pas, quoi, c'est une dinguerie. Allez, t'es un champion. 45% de chance, tu touches. Ah. Ouais, limite, il vaudrait mieux taper l'élu, non? Je sais pas, parce qu'en vrai, lui, il est mort au moins, mais... J'ai peur de l'élu, quoi, au prochain tour. J'aurais dû me soigner avant. Pas me soigner, recharger. Je m'excuse pour votre mort prématurée. Les incroyants périront. Déportation. Oh non. Oh non, pas ma recrue. Contrôle mental. Mais il m'emmerde! Oh là là. Get out! Sauve ma tête! Cette chose prend le contrôle de nos soldats. Vous devriez remercier les anciens pour leur accord avec ce qui reste de votre civilisation. Je vais pas lui tirer dessus, frère. En fait, le problème, c'est qu'il faudrait que j'ai un moyen de lui tirer dessus, lui, quoi. Ouais, je pourrais faire ça à mon allié, la désorienter, quoi. Andiamo. Instant cuit, il veut pas mourir, quoi. Hein. Rien de... Après, je vais presque le tuer en faisant ça. Il va mourir de la brûlure. C'est ça le problème, quoi. Et ça, on n'a pas envie qu'il meure de la brûlure, quoi. Sinon, en vrai, je mets juste une small screen. J'espère que ça passe. C'est cité, voilà. On recharge. C'est risqué, hein, mais... Ah, c'est risqué, quoi. Ouais, raté. Il casse les couilles à bouger aussi. Sonner. Non, on n'en peut plus. Oh, et ça touche, frère. 100%, la précision, c'était 50%, quoi. Il était sous smoke. Commandant, nous avons perdu beaucoup trop d'hommes. Mais non. Pas le sacrifice de nos soldats. Comment ça, beaucoup? Je vous conseille d'annuler tant que nous le pouvons. Vous pouvez vous sacrifier pour la résistance. Moi, je peux pas. Ça ne changera rien. Ah, vas-y, j'ai attiré aucun de mes deux soldats, du coup, ça me dégoûte. Mais ça me dégoûte. Il y en a, il est sonné, et l'autre, il est contrôle mental. Qu'est-ce que tu veux que je me fasse, frère? Ça te casse les couilles. Putain.
J'aurais du Millistrike sur lui en fait tout à l'heure. 52%, mes frères. C'est quoi cette précision aussi? On n'en peut plus. Dommage qu'avec les sparks on puisse pas. Ça ne suffira pas. Nous venons de loin pour servir les anciens. Il va me le prendre. Enlèvement. Bah ouais, mais je peux rien faire, quoi. Genre. Frère, j'ai un mec sous contrôle mental et l'autre il est sonné. Je vais me faire enculer, quoi. Ça dégoûte. En fait, c'est genre, c'est impossible d'empêcher l'enlèvement, quoi, avec ça. Nous devrions contacter la résistance pour organiser une opération d'exfiltration. Bon. Est-ce qu'on réussit la mission, moi? Je confirme. Zone sécurisée. C'est vrai? En vrai? En vrai? On a sécurisé la zone. Je reste à cet endroit. Menace 1-5 positif, je confirme. Zone sécurisée. Tempo. Ah, c'est chiant en vrai, genre. Entre les ennemis qui louent jamais leur sort. Je tiens ma position. Et leur capacité, quoi, c'est dur à gérer, quoi, on va pas se mentir. Menace 1-5 positif, je confirme. Zone sécurisée. Au final, j'ai perdu deux recrues, je me suis fait enlever mon major, mais normalement, on doit pouvoir le récupérer, tu vois. Donc au final, ça va, quoi. Piratage de soldats, le monde de façon... Ah, c'est bien, ça. Allez, réussi. Non. Ah. Ça a été cool. Ah, c'est juste... En fait, ce qui est chiant, c'est le Spark qui a été détruit, quoi. Ça, c'est chiant, quand même. Sont morts, la zone est sécurisée. Menace 1-5, statut confirmé, mission accomplie. Ouais, médiocre. Oh, ça va, frère. Avec deux recrues et deux sparks, qu'est-ce que tu veux faire aussi? En vrai, deux sparks, c'est. C'est bien, mais en même temps, c'est pas bien, quoi. Genre. Vu que tu peux pas faire les interactions, genre, quand l'ennemi. Quand t'as un allié sonné ou quoi. Bah au final, c'est la merde, quoi. Au moins, on a fait la mission et ça a pas bugué. C'est cool. Après, c'est... Putain, c'est frustrant, quoi, des fois. ...viennent d'annoncer que l'opération réalisée aujourd'hui par les soldats de la paix... N'était rien de plus qu'un exercice. Gardez votre calme. Les tirs et les blessures étaient des simulations pour mieux entraîner les forces d'Advent. Bon, en vrai, je vais pas vous faire patienter plus. De toute façon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Après, je dis ça, mais en vrai, on va quand même regarder vite fait la rentrée. En vrai, les recrues, elles ont fait un bon taf quand même. Hein. Tout pour retrouver notre soldat. Je n'en doute pas une seconde, commandant. On peut commémorer notre robot. On va commémorer le robot, mais pas les humains. Tu es 3, tu es 4, tu es 5, tu es 7, tu es 2. Ouais. Bah, c'était pas évident quand même. Hein. Bon, bah écoutez... On ne peut jamais se montrer si on ne peut pas s'enfuir. Nous nous attendions à mieux, commandant. Ah mais va te faire foutre, t'as qu'à le faire toi-même. Non mais vas-y, on se fait incendier par tout le monde, quoi. Les conséquences de vos subterfuges infructueux seront subies par votre fidèle soldat. Ok, du coup, bah, on se retrouve pour la suite prochainement. Hein. Allez, salut. Les factions de résistants nous aideront à localiser...